Tu sais... Allô ? Willy, il est en train d'écrire. Oh le bâtard, il vient de me poucave. En vrai, je devrais pas te dire, mais je crois qu'il a fait des bails chelous. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une expérience pour savoir si, imaginons, je faisais croire à mes potes que ce soir j'allais voir une fille pour tromper ma copine, enfin je leur faisais comprendre. Est-ce que si ma copine leur demanderait, ouais, Anthony, il est où, je sais pas, j'arrive pas à le contacter et tout, nanina, est-ce qu'ils vont me couvrir? Est-ce qu'ils vont me balancer? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai envie de savoir. Alors, c'est pas du tout un test pour savoir si c'est mes vrais potes ou pas, pas du tout. Pour moi, même si un pote me balancerait par rapport à ça, j'en voudrais, je sais pas, ça dépend comment le lien qu'il a avec ma copine, mais dans tous les cas, pour moi, je tromperai jamais ma copine, jamais tromper quelqu'un, donc je sais que je le ferai pas. Mais bref, ok, donc je leur ai tous envoyé ça. En gros, putain mon ref, ce soir, je vais voir une ancienne meuf avec qui c'était déjà passé quelque chose. Maintenant, c'est une pote, mais j'ai trop peur que ça dérape. Alors attention, j'ai pas envoyé ce message à tous mes potes, j'ai vraiment envoyé à ceux que je veux parler en ce moment. Donc si tu passes par là et que t'es un pote à moi, si je te l'ai pas envoyé, ça veut pas dire que t'es pas mon pote. Ne t'inquiète pas, fais attention. Donc là je suis connecté sur le compte de ma copine, d'ailleurs allez la follow. Pour ceux qui n'ont pas compris, je me suis connecté sur le compte Instagram de ma copine pour pouvoir envoyer des messages à mes amis. Et en même temps en plus je peux la fliquer. Je rigole, je suis pas comme ça. Oh. Ok, en premier on va envoyer à Icalex. Donc Icalex c'était mon ancien stagiaire, un abonné ça fait grave longtemps, maintenant c'est devenu un pote. Oh putain, il faut changer le prénom. Ok, maintenant on va passer à Baptiste. On a un gros lien ensemble, on s'appelle très régulièrement. Et j'ai hâte de savoir un peu comment ça va se passer. Salut Baptiste, tu aurais des nouvelles d'Anto? Je sais pas, il est où et il ne me répond pas. Je m'inquiète. Oh putain, y'a Baptiste qui m'appelle. Ouais gros. Bah ça va là, je viens d'avoir un petit message de Sarah. Elle m'a dit qu'elle avait pas de nouvelles de toi. Oh putain, bah ouais gros, je peux pas lui envoyer de message, elle va me cramer, j'arrive pas à mentir gros. Gros, vraiment, faut que tu me couvres gros, en plus, je sais pas, bah je... Je sais pas, mais bref, c'est passé. Enfin, avec la meuf, bizarre un peu là. Laisse tomber, bref. Vas-y, on se rappelle plus tard, gros. Mais vas-y, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Rien, gros, mais juste. Couvre-moi, gros, couvre-moi, s'il te plaît, gros. J'ai raccroché. Putain, j'arrive pas à lui mentir, les gars, c'est cramé. Ok. Les gars, je vais lui envoyer. En plus, il est en train de m'envoyer des messages là. Oh là 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 là, c'est le bordel. Ah, il a répondu, Baptiste. Baptiste, salut, je sais pas du tout. Je veux dire, putain, je m'inquiète de ouf là. C'est hier, il est en train d'écrire. Oh là 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 là. Baptiste est en train d'écrire. Oh. Les gars, j'ai trop peur là. Alexis, mon stagiaire, il me dit tu prends ou ça se passe comment? Ah, il m'a envoyé la photo. Ok, putain, hey, gros, couvre-moi, gros, putain. Gros, lui dit, enfin, réponds-lui, sinon on va trouver ça bizarre. Dis-lui, non, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Oh non, c'est hier, j'ai dit salut Baptiste. Salut Sarah, c'est pas Baptiste, c'est hier. Oui, excuse-moi, j'ai fait copier-coller car j'ai envoyé le même à Baptiste. Tu aurais des nouvelles d'Anto? Il m'a dit qu'il essayait de tourner sa vidéo à ma gueule depuis tout à l'heure. Ah. Faut qu'il m'envoie. Il a eu des gays problèmes, du coup, la galère. Mais il m'a pas donné plus d'infos. Il a dit ça il y a presque une heure parce qu'on était censé se voir, mais il a averti qu'il pourrait pas. Il a eu des galères de tournage. Will, il est en train d'écrire. Excuse-moi, Will, j'ai fait un copier-coller à tous ses potes car je m'inquiète, il ne me répond pas. Will, il m'appelle. Ouais, allô? Allô, mon ref, comment tu vas? Ça va et toi, mon ref? Bah, moi, ça va très bien. Ouais, je peux. Il y a ta meuf qui est venue voir en privé, elle m'a dit. Quoi? Oh putain! Oh, gros, lui répond pas, gros. En fait, son groupe va essayer de t'appeler à Oh putain, gros, je suis dans la. Parce que tu sais, je t'avais dit, j'allais voir une pote ce soir et je lui ai pas dit. Je suis avec elle là, c'est pour ça en fait, c'est une pote, mais. Je sais pas, avant ta mytho, gros, s'il te plaît, mais. Oh, je suis dans la merde, putain. Tu veux que je te couvre? Ouais, couvre-moi, gros, s'il te plaît. Vas-y, je vais te couvrir avec ton ex. Ouais, enfin. Mais lui dis pas, hein. Bah non. Gros, je compte sur toi. Si merde, parce que gros là, en plus, je sais pas, il s'est déjà passé quelque chose avec elle là, donc je suis en train de faire de la merde, putain. Merci frérot, merci, tu gères. Je me fais passer pour un fils de pute. Oh, je suis en stress. Will, il a dit, je l'appelle, c'est sur le répondeur, j'arrive pas à voir. Mais c'est bizarre, moi ça sonne. Dylan, faut vraiment qu'il voit le message, les gars. Dylan, comment je pourrais faire Dylan? Faut que je me connecte sur mon compte. Putain, faut qu'il réponde lui, vraiment. Ouais, excuse-moi gros, ouais, je t'appelle gros, c'est une petite galère là. Y'a ma meuf, je sais pas ce qu'elle fout gros, ouais. Tu sais, je t'ai dit, j'étais voir une pote là. Ouais. Et gros, ouais, je sais pas ce qu'elle joue, je sais pas, elle contacte mes potes, y'a mon meilleur pote, il m'a appelé, il m'a dit ouais, elle m'a envoyé un message et tout, elle s'inquiète, elle a pas de nouvelles de toi et tout. Donc je sais pas, mais ça se trouve, si jamais t'as envoyé un message gros, enfin, je sais pas gros, putain, c'est chaud. Gros, attends gros, tu peux juste lui répondre et dis-lui ouais je sais pas il est où ou un truc comme ça vite fait. Parce que sinon après, là je vais l'appeler dans 10 minutes mais juste je me barre de chez la meuf et...
Et je lui envoie. Attends, là c'est où? Attends, gros, je suis chez ma pote. Attends, juste, je te rappelle dans 10 minutes. Juste, tu peux lui envoyer un message. Tu veux... Juste, je sais pas, un mytho, il dit ouais, t'inquiète, enfin, je sais pas, gros. Je sais. Allô? Oh, c'est horrible, je déteste ce que je suis en train de faire. C'est la pire des choses. Je suis en train de faire un truc de merde. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire la pire des choses au monde. Sur le compte de ma meuf, il m'a mis un vu. Je vais dire, tu peux m'aider, s'il te plaît. Ça a pu le prendre car si tu l'avais pas, rep, elle l'aurait demandé à tes soeurs. Gros, vraiment, je te jure, mes sœurs, elles m'ont appelé et elles m'ont couvert car je les ai suppliées. Bah après, je peux pas vraiment t'aider sur ça parce que après, peut-être que c'est mon meilleur pote. Après, même moi, je l'appelle souvent des fois et ça peut arriver que je peux tomber sur le répondeur, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi toi, ça t'arrive la première fois. Ça me fait trop plaisir, les gars, parce que il a dit carrément, c'est mon meilleur pote et tout. Will, franchement, c'est un bon pote de ouf. On a fait des Backfit Challenge ensemble et... Honnêtement, on se parle pas souvent, on se parle pas très souvent, mais il sait très bien, lui comme moi, on sait très bien qu'on a pas besoin de se parler tout le temps. D'ailleurs, dédicace à toi mon frérot, tu vas passer dans la vidéo et je pense que tu vas la regarder, j'espère. Mais trop mignon, wow, c'est incroyable. En vrai, ça fait des putains de sensations, mais... Ok, merci Will, vraiment, genre faut le faire culpabiliser de ouf. Oh, je suis mort. Dylan, il veut pas ouvrir mes messages. Hein. Baptiste. Oh le bâtard, regardez, il a écrit quoi? En vrai, je devrais pas te dire, mais je crois qu'il a fait des bails chelous. Mais garde ça pour toi, s'il te plaît, j'ai pas envie de perdre Anthony. Oh le bâtard, il vient de me poucave. Oh non, parce que les gars, en fait, la vérité, je l'ai appelé avant et en fait, j'avais trop peur qu'il le prenne mal. Je sais pas pourquoi. Baptiste, j'avais peur qu'il le prenne mal. Baptiste était dans le coup. Je préfère vous le dire, vous me connaissez, je fais pas de fake sur la chaîne. Donc voilà, c'est à cause de Baptiste. Là, mais en plus, j'avais très mal qu'il allait me couvrir, c'était sûr, donc voilà. Bien sûr, il avant tout. Merci mon ref. Vas-y, bisous mon ref. Bon, on va y voir le message de Dylan. Du coup, il m'a dit salut. Bah écoute, non, pas de nouvelles de lui. On s'est parlé un peu ce matin, mais vite fait parce que j'ai été malade. Je tenais au courant. Ouais, il est trop mignon. Bon, on va arrêter ce truc. On va appeler et on va leur dire toute la vérité, les gars. On va les appeler. Gros, je suis désolé, mec. Je t'ai menti depuis tout à l'heure en fait. Mais c'est pas passé parce qu'en fait, 30 minutes avant, t'as dit oh, j'ai eu des galères de tournage et tout. Et du coup, je me suis dit ouais, c'est normal s'il a pas répondu. Oui, mais je t'avais dit ce matin que j'allais voir une meuf ce soir. Ouais, tu m'as dit. Mais j'ai pas. Ah merde, bon, bah, t'es pas trop tombé dedans, mais putain, dommage. Bon, bah, du coup, tu m'as défendu, mais t'as pas vraiment. T'as pas... J'allais pas dire. En non, vrai, mais je sais, gros, personne. C'est pas mon problème. Je vais peut-être t'insulter quand on allait s'entraîner à la salle ensemble, mais. Merci, frérot. Abonnez-vous à Seigneur, les gars. Et merci, gros. Allez, bisous, moi. Bon, les gars, on va essayer de se dépêcher et d'appeler tout de suite Dylan. Ouais, ouais, frérot, ça va? Mec, tu vas m'en vouloir, je suis vraiment désolé, désolé. Pourquoi? Je suis en train de faire une vidéo. Ah, t'es en train de faire une vidéo? Oui, c'était calculé depuis le début. Putain, t'es vraiment un bâtard. En plus, Mathilde m'a dit ça, ma copine m'a dit, mais t'es sûr que c'est pour Anthony qui refait une vidéo? Gros, depuis cet après-midi, j'envoie les mêmes messages que j'ai fait copier-coller à tous mes potes. Et ouais, ce soir, je vais voir une meuf et tout. Et mec, franchement, t'es celui qui a le plus en mode réagi en mode ouais, qui m'a le plus conseillé. Donc, mec, merci. Ouais. Ta copine peut être fière de toi, gros. Je suis mort, t'as fait une vidéo, bâtard. Là, je suis en train de filmer, là. Abonnez-vous à son Instagram, à Dylan, les gars. Faut que j'arrête de te croire quand tu fais des trucs comme ça. Mec, ça fait deux fois. Bisous. Vas-y, bisous. Bon, et du coup, j'appelle ma copine pour lui dire un peu que. Ce qui s'est passé, quoi. Allô? Ouais, Chou. Ouais, j'ai l'honneur de te dire que. Si jamais un jour je te trompe, bah. Tous mes potes vont me couvrir. C'est une blague? Non. Donc. Tu iras voir sur ton Insta les messages tout à l'heure, j'ai rien supprimé, tu iras voir, tu vas bien rigoler. Surtout Will, tu verras. Will, c'était le pire. Bon bah voilà, écoutez, débrief de cette vidéo, c'est que mes potes sont des bâtards. Non, je rigole. Bon, débrief de cette vidéo, c'est que bah franchement, c'est marrant. J'ai pu voir un peu mes potes, comment ils auraient réagi et tout. C'est marrant parce qu'ils ont tous un style différent. Ça me fait rire. Il y en a un qui s'en bat les couilles, il y en a un autre qui est stressé, il y en a un autre qui aime pas mentir. Donc c'était cool, j'ai bien aimé, franchement. Bonne expérience. Et puis au final, je les ai tous appelés. Ils l'ont tous bien pris. Donc tant mieux, je voulais pas m'embrouiller avec un pote pour une vidéo. Ça aurait été archi con. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne, ça me fait super plaisir. Je m'investis de ouf sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment ma passion. C'est mon rêve YouTube, vraiment. Donc abonne-toi, ça me fait plaisir. Merci la team. C'était ridicule, Murphy. Merci la team d'avoir suivi cette vidéo. Je fais plein de gros bisous. Ciao la team. Prenez soin de vous. Ciao. Les gars, en fait, c'était vrai. Je l'ai vraiment trompé. Oh putain, ça filme.
voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la plage.